je vais te prescrire une tournée d'Espa. Ce sera avec grand plaisir. Bah oui, mais en même temps, tout le monde est malade. Enfin, c'est les règles d'hygiène à cette époque-là, c'est quand même. C'était pas fameux. Bah oui, enfin, là il le dit à un moment donné, hein, il y a du sang dans les bains parce qu'on peut se faire saigner aussi dans les bains. Donc il disait qu'il y avait des bains qui étaient vraiment très rouges et en même temps c'est l'eau qu'on boit, enfin, c'est absolument dégueu. Hein, donc, ouais. Voilà. Juste au secours. Voilà. Unimix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Unimix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle parenthèse académique et aujourd'hui, je suis en agréable compagnie car j'ai avec moi la présidente et la vice-présidente de la Fachschaft de français, Mathilde. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Très bien. Malgré une petite toux. Ça devrait passer. Et Clara, comment ça va ? Tout aussi bien. Excellent. Prête à parler de montagne ? Oh oui, toujours. Ah, toujours. Car oui, aujourd'hui, on va justement parler à nouveau littérature et plus spécifiquement de montagne. Et pour cela, nous avons notre invitée d'honneur, Nina Mugler, enseignante à l'Université de Fribourg. Nina, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Ça va très bien et je suis ravie d'être si bien escortée. Excellent. Donc, vous enseignez à l'Université de Fribourg. Quel est votre poste exactement ? Qu'est-ce que vous y faites ? Alors, je suis maîtresse assistante et non maîtresse assistante. J'ai décidé de féminiser aussi maîtresse parce que je me suis dit que c'était un peu dommage de féminiser seulement assistante. Donc, c'est tout nouveau avec ma collègue Sophie Jossi. On a décidé de changer un peu d'autres titres. Mais donc, maîtresse assistante, c'est le stade un peu intermédiaire, c'est le corps intermédiaire supérieur, comme on l'appelle. Donc, comme les autres, hein, on enseigne, on fait de la recherche, voilà. Donc, j'ai un séminaire chaque semestre. Je suis à 50% ici et à 50% aussi en Allemagne. Donc, okay, je passe pas mal de temps dans les trains en ce moment. Mais voilà, donc c'est un peu le même travail d'un pays à l'autre, on dira. D'accord. Et je suis aussi conseillère aux études, c'est vrai que je pourrais peut-être le préciser. Conseillère aux études, donc il s'agit d'accompagner les étudiantes et les étudiants quand il y a des difficultés administratives, des conseils à donner, etc. Et comment est-ce que ça se répartit en termes de charges par rapport à vos cours, la préparation, la recherche ? Alors je crois que le cahier de charges officiel, mais qu'on respecte quand même pas trop, hein, c'est juste parce que quand il faut signer le contrat, il faut bien répartir les choses, c'est à peu près du 50-50. Donc 50% recherche, 50% enseignement. Sachant que pour préparer un enseignement, il y a quand même pas mal de travail en amont, même si c'est que 2 heures hebdomadaires. Ça fait un peu bondir les gens qui ne sont pas à l'université, qui se disent « mais vous enseignez en fait peu », mais on essaie de le faire bien et donc ça prend un peu de temps. Et il y a l'accompagnement aussi, bien sûr, des étudiantes et des étudiants pour les travaux de séminaire, les corrections, etc. Et la recherche, bon, alors là, c'est un peu au bon vouloir de chacun et de chacune. Ça veut dire qu'on doit participer à des colloques, écrire des articles, des livres, dans le meilleur des cas, des éditions. Donc voilà, c'est assez diversifié, à vrai dire. Oui, c'est sympa, comme ça permet aussi de faire plusieurs choses. Oui. Et donc, à l'Université de Fribourg, vous avez enseigné la littérature du 15e et du 16e siècle, c'est ça ? Un tout petit peu, il faut juste décaler un tout petit peu l'empan chronologique, c'est plutôt 16, 17 et 18e siècle. Ah d'accord, ok, oui. Et donc c'était le cours LT8. Oui, notamment le cours d'histoire littéraire, ça c'était pour le 16, 17, 18e siècle, donc ça aussi une gageure de rassembler les 3 siècles en un semestre. Il fallait condenser un petit peu, là je pense que tout le monde avait une sorte de tendinite. Et c'est sûr que justement aussi pour la préparation, voilà, étudier 300 ans d'histoire et d'auteur, présenter tous ces textes, c'est quand même quelque chose... C'est vrai, faire une bonne sélection qui soit représentative quand même du canon, puisque la plupart de nos étudiantes quand même se destinent à l'enseignement. Donc ça, c'est des statistiques hein, qu'on a. Mais aussi leur donner des angles de vue un peu plus originaux sur cette production-là, avec des thématiques différentes, des auteurs qu'on appelle mineurs ou des autrices aussi. J'ai essayé de mettre quelques femmes là au milieu. Donc voilà, il fallait panacher un petit peu pour faire le meilleur équilibre possible et c'était un beau challenge. Et votre auteur ou votre autrice favori ou favorite de cette époque,
Montaigne ou... je pense que je suis un petit peu obligée de mettre Montaigne, même si au XVIe siècle, j'aime beaucoup Marot aussi du côté de la poésie, puisque la poésie, en fait, est presque plus importante au XVIe siècle que la prose. Il y a quand même cette hiérarchie un peu des genres. Marot est très drôle aussi à sa façon, mais il faut vraiment des outils pour essayer de comprendre Marot, parce que quand on le lit comme ça, c'est un peu mystérieux. Est-ce que c'est juste une question de vocabulaire, ou est-ce que c'est aussi les tournures ou les lieux communs? Alors, absolument tout. Hein. Là, je pense qu'on a vraiment affaire au XVIe siècle à un continent complètement obscur pour les personnes qui sont non initiées. Donc, ça demande quelques outils contextuels, linguistiques, historiques. Enfin, vraiment, il faut s'armer avant d'arriver là-dedans. Après, au XVIIe siècle, il y a des auteurs et des autrices passionnantes aussi. Moi, je pense en ce moment à Madame de Villedieu, qui s'appelait Desjardins et qui signe Villedieu dans un deuxième temps, dont on a parlé un petit peu dans mon séminaire sur la galanterie, là, qui est vraiment digne du plus haut intérêt. Et qui est peut-être un peu plus facile à apprivoiser. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, bah alors, bonne petite lecture à faire durant cet hiver, durant cet intersemestre. Et donc, aujourd'hui, vous voulez nous présenter une de vos dernières œuvres. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu? Oui, alors c'est gentil de parler de mon œuvre. En fait, c'est plutôt effectivement, malheureusement, l'œuvre de Montaigne. Enfin, malheureusement, c'est à lui qu'il faut rendre hommage. Et aussi, c'est une co-œuvre d'une certaine façon, puisque j'ai été aidée dans cette entreprise que je vous présente ici. Alors, je ne sais pas quelle caméra il faut regarder pour montrer ce... Voilà, je lui présente le beau bébé. Le voici. Qui est une édition, en fait, une adaptation en français moderne, en français contemporain, du journal de voyage de Montaigne. Et donc, que j'ai réalisé avec l'aide précieuse de Laura Piccina, qui s'est occupée de la partie en italien. Puisque Montaigne donc entreprend un voyage à travers l'Europe, enfin surtout l'Italie, mais il passe par la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche en partant de la France. Et donc c'est le récit de ce voyage. Et vous voyez, il y a aussi une préface très sympathique signée par Antoine Compagnon, qui donne aussi des clés de lecture et qui a un rapport aussi peut-être plus personnel avec ce texte. Donc voilà le gros bébé de presque 1 kilo, 336 pages si je ne m'abuse. Donc là vous voyez aussi, je fais ma petite publicité hein, pour me permettre, mais richement illustré. Donc là on a eu l'aide effectivement de plusieurs graphistes et des personnes qui ont fait des recherches archivistique. Donc vraiment, c'est un travail collectif, et d'autant plus collectif que ce journal de voyage a été écrit à plusieurs mains déjà à l'origine. Ah d'accord. Donc, c'est-à-dire. Eh bien, on a une, je parlais de co-œuvre, une co-auctorialité dans ce livre, puisque, enfin, dans ce livre, c'était pas destiné à la publication hein, initialement, mais on a le secrétaire de Montaigne qui prend la plume d'abord et qui raconte le début du voyage. Je dirais qu'il occupe à peu près un tiers du récit, et ensuite Montaigne reprend la plume, donc il congédie son secrétaire sans qu'on sache pas trop pourquoi. Donc c'est lui qui reprend la plume et qui va même jusqu'à écrire donc en italien au bout d'un moment. Ah d'accord, donc au milieu de l'œuvre, il passe du français, c'est ça, exactement, à l'italien. Exactement. Ok. Il reprend la plume en français et au bout d'un moment on se dit que bon, peut-être que ça le lasse un peu. En tout cas, déjà il le prend un petit peu, enfin il l'apprend à contre-cœur hein, quand il dit bon, il faut bien que je continue cette besogne. Donc voilà, il se met aussi à l'ouvrage et à partir de je dirais peut-être 6 mois en Italie, enfin c'est au mois de mai 81 normalement, si je ne me trompe pas. Donc il commence à écrire en italien. Donc, 1581. Oui, 1581, okay. Exactement. Donc, c'est un voyage d'un an et demi à peu près. Hein. Et donc, il commence à écrire en italien à ce moment-là, pour vraiment s'imprégner encore plus du lieu. Et donc, quelles difficultés est-ce que ça pose lorsque l'on veut éditer cette œuvre? Est-ce que vous faites une note comme quoi, à partir de là, tout est en italien ou... Bien sûr. Alors, on a déjà une sorte de protocole éditorial pour expliquer un petit peu les parties pris aussi de cette adaptation, qui n'est pas une traduction à proprement parler, mais plutôt une sorte d'ajustement au langage contemporain, mais en essayant de conserver quand même la saveur de cette langue. Et donc, on explique un petit peu les choix de cette édition.
C'est pas de la philologie pure et dure qui serait destinée uniquement à des spécialistes. Hein. C'est pas le but là. C'est vraiment pour donner à lire Montaigne à un public élargi. C'est vraiment l'esprit de cette édition. Et donc on a un protocole éditorial. Et ensuite de ça, à l'intérieur, on s'est permis d'ajouter des petites notes pour dire voilà, là Montaigne reprend la plume. Là, il écrit en italien. Donc on a affaire à la traduction. On voulait pas non plus encombrer trop le texte. Donc on n'a pas mis le texte en italien, mais il se trouve facilement sur Internet. Donc les éditions époque du 18e siècle sont là, pour celles et ceux que ça intéresse. Il y a d'autres éditions modernes qui le montrent, mais voilà, vous voyez, c'est déjà quand même un bon bébé, donc on a resté sur les le français. À boire et à manger. Exactement, exactement. Et moi, j'ai une petite question, du coup, au niveau de la traduction de la langue, puisqu'on a une sorte d'italien un peu particulier, mêlé à des dialectes, à des latinismes aussi, mm-hmm. Et comment, du coup, en français, on arrive à montrer en fait cette langue très hybride. C'est une excellente question et une grosse difficulté. Donc là, heureusement que Laura Piccina est intervenue. Donc ça, c'était vraiment super de pouvoir la recruter aussi pour cette édition. Il se trouve que c'est un italien très bizarre qui n'a pas vraiment d'équivalent. Donc c'est vraiment une sorte d'italien bâtard. Je dis ça avec beaucoup d'affection pour les bâtards, que ce soit clair. Mais voilà, c'est un italien alors qui s'inspire forcément du latin aussi. Hein, il y a beaucoup de latinisme à l'intérieur, de la langue des trois couronnes, hein, donc en Italie, les représentants du toscan, donc la langue vulgaire hein, dont s'inspirent les Français pour faire la même chose en France, avec le français au détriment du latin. C'est un italien aussi qui s'inspire évidemment de son expérience locale, parce que là, à peu près, comme je vous le disais, ça doit faire à peu près 6 mois qu'il est en Italie, donc il s'est quand même vraiment imprégné de cette langue orale. Il y a des gasconismes aussi, hein, puisque Montaigne est un gascon. Donc voilà, c'est vraiment un espèce de monstre à gérer. Et l'idée, c'était de traduire quand même assez littéralement, mais quand même de façon compréhensible, et si possible, ajuster à ce qu'on a fait pour le français de Montaigne. Donc, pas qu'il y ait trop un écart entre les deux. Donc, ça a nécessité vraiment des allers-retours entre la partie en français et en italien pour essayer de donner une sorte de cohérence peut-être à l'ensemble, et notamment aussi dans la notation. Il y a des choses qui se répètent, qui sont dites un petit peu différemment en italien, en français. Donc c'est intéressant, le fait de changer de langue, ça change d'une certaine façon le regard qu'on porte sur le monde. Et donc voilà, on a essayé d'être quand même fidèle au texte, je dirais. Mmh, autant que possible, oui. Ouais. Et donc, justement, Montaigne entreprend ce voyage. Donc, d'habitude aussi, lorsque l'on parle de Montaigne, la plupart du temps, on parle de ses essais. C'est en tout cas et surtout ce qu'on a vu à l'école. Mais donc, c'est pas quelque chose qui avait été destiné à la publication, c'est ça? En fait, pourquoi est-ce qu'il est parti en voyage? Qu'est-ce que contient ce journal? Et peut-être après ces deux questions, pourquoi est-ce qu'on veut encore l'éditer? Quelle est sa pertinence? Alors, il y a effectivement beaucoup de questions très importantes là, que vous posez, Ryan. C'est bien, on forme bien nos étudiants qui posent des questions. C'est toujours très gratifiant d'entendre les bonnes questions. Pour répondre à la première, une des premières questions, effectivement, on pense qu'il n'était pas destiné à la publication, qu'il est inachevé, mais en fait, ça pose quand même toujours cette question de l'intention d'auteur à laquelle on a fondamentalement jamais accès, donc on peut supposer des choses. Qui sait, hein, peut-être qu'il voulait en faire quelque chose et quand même le publier. Enfin, on le saura, pour ainsi dire, jamais. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ce texte a été longtemps perdu et il a été retrouvé donc au XVIIIe siècle, quand deux chanoines périgourdins voulaient faire donc l'histoire du Périgord, et donc ils vont fouiller le comte de Ségur qui a repris le château de Montaigne, un coffre, enfin différentes archives, et donc on fouille ce coffre et on se rend compte qu'il y a ce journal de voyage à l'intérieur. Donc c'est vraiment assez romanesque, hein, comme histoire. Vous avez peut-être vu dans vos cours d'histoire littéraire ou vos séminaires qu'il y a ce fameux topos du manuscrit retrouvé, hein, quand on veut publier des œuvres, on joue beaucoup là-dessus. Alors, c'est vraiment un topos qu'on retrouve partout, depuis Chrétien de Troyes, mais jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, en fait, on a vraiment littéralement ce motif-là, mais qui n'est pas du tout romancé. Enfin, c'est l'histoire de ce texte. Donc c'est absolument passionnant. Et je vous passe les détails, hein, de cette découverte. Mais en l'occurrence, c'est à partir de ce moment-là, donc dans les années 1670, qu'on édite pour la première fois ce journal de voyage. Il y a plusieurs versions.
La copie la plus tardive dont on dispose, c'est la copie Lédet, on l'a intitulée comme ça, qui a été redécouverte en 1980. Donc vous voyez, c'est une histoire quand même assez complexe, et qui est une copie partielle de ce texte, qui permet de compléter l'édition dont on dispose, qui a été vraiment publiée. Alors là, je vous parle d'une copie manuscrite qui a été publiée en 1774. Il y a eu 4 éditions d'un certain Meunier de Kerlon, donc un érudit aussi du XVIIIe siècle, qui aurait été très respectueux de ce qu'il nous dit, hein, philologiquement, du texte d'origine. Mais là encore, on ne peut pas vraiment le vérifier, donc on est obligé de faire confiance à ces gens qui ont transcrit le journal de voyage dans un premier temps. Donc vous voyez, il y a vraiment toute une chaîne derrière, et pour le moment, on n'a pas encore redécouvert le texte original, alors on espère que ce sera le cas un jour. Je crois qu'il a été perdu, même dans la bibliothèque royale, non? Oui, exactement. Il a été reperdu, oui, c'est ça, exactement. Il a été reperdu, donc bon, on va voir ce qu'il en est, hein, c'est... Gardez les yeux ouverts d'ailleurs, sait-on jamais. Mais donc voilà, c'est une histoire extrêmement complexe. Donc nous, pour l'éditer, évidemment, c'est aussi un challenge parce que faire ? Enfin, on doit faire confiance aux prédécesseurs. Alors nous aussi, on a fait une sorte de bricolage, hein, entre la copie Lédet et les éditions de Kerlon, donc du XVIIIe siècle. On ne l'a pas mentionné dans l'édition puisque c'est quand même une édition aussi destinée à un public plus large. Donc l'idée, c'était pas de rebuter les gens avec des considérations trop philologiques non plus. Hein. C'est toujours des partis pris quand même d'éditer ce genre de choses. Et donc voilà, un objet vraiment romanesque. Ensuite, la deuxième question, Ryan, il faut que vous me remettiez sur les rails. Montaigne part en voyage. Oui, pourquoi ? Mais c'est un Montaigne aussi beaucoup plus humain, en quelque sorte, que cette figure. Oui, exactement. Alors peut-être pour les motivations de Montaigne qui ont fait vraiment couler beaucoup d'encre. La première, qui est vraiment indéniable, c'est surtout pour soulager son mal de la gravelle, donc la maladie de la pierre, hein, ses calculs rénaux qui vraiment étaient affreusement douloureux. Dans les essais, il dit aussi que il y a quelques raisons pour se suicider, il faudrait quand même éviter de se suicider, mais une des raisons, c'est quand même vraiment la gravelle, parce que c'est vraiment visiblement très très douloureux. Donc vous voyez, on en est là. Oui, c'est ça. Exactement. Donc c'est la cause principale, donc il y a vraiment un parcours un peu balnéaire, hein, dans les bains pour boire l'eau, pour aussi s'y baigner, pour essayer de se soigner tout simplement, donc vertu thérapeutique. Après, il y a d'autres idées qui ont été émises, qui sont un peu discutées, hein, mais par exemple une mission diplomatique, hein, donc Montaigne aurait voulu briguer une charge d'ambassadeur, notamment à Rome, donc ça c'est une des hypothèses aussi. La curiosité, hein, ça définit évidemment Montaigne depuis le début, et c'est aussi peut-être un des enseignements de cette lecture et des essais aussi, hein, pareillement. Donc voilà, il y a plusieurs idées, le relativisme de Montaigne, donc vous savez, il a cette image fameuse de frotter sa cervelle contre celle d'autrui, hein, pour justement s'enrichir, pour se grandir aussi d'une certaine façon, qui ouvre à la tolérance, qui ouvre au relativisme culturel, enfin voilà. Donc il y a un petit peu de tout ça, je pense, sans avoir à trancher véritablement. Et je pense qu'on peut ajouter des raisons. Mmh. Oui, parce qu'il ne voyage pas seul, non ? Non, du tout. Alors effectivement, il a son petit équipage, là, effectivement, son frère cadet, son beau-frère, deux nobles aussi qui accompagnent l'équipage et qui grandissent un petit peu la troupe aussi, qui apportent leurs munitions humaines, on a envie de dire, non, mais en tout cas leur équipage. Mmh. Et il fait ce voyage, je sais aussi, mais c'est peut-être, oui, c'est quand même assez plus tard quand les Anglais font leur grand tour d'Europe un peu pour... Mais à quel point à cette époque est-ce que les gens ont l'habitude de voyager ? Parce que souvent aussi, une des idées préconçues qu'on a, que ce soit du Moyen-Âge ou juste un peu après, parce que souvent ben, c'est assez confus pour les gens, mais ben, tout le monde reste un peu dans son village, quoi. On ne se déplace pas. Alors que je crois que la cour, c'est presque une cour ambulante en quelque sorte. Oui, exactement. Après, j'aurais envie de vous dire, moi j'ai grandi à Bulle, les gens restent aussi un peu à Bulle, hein, vous savez, ça n'a pas beaucoup changé. Hélas, pour l'ouverture d'esprit, c'est pas forcément ce qui est toujours bénéfique, n'est-ce pas ? Non, mais effectivement, le grand tour, donc ça c'est vraiment les aristocrates, surtout anglais au XVIIIe siècle, donc on n'en est pas là. Hein. Il y a des récits de voyage en Italie à l'époque de Montaigne, mais c'est surtout à consommation peut-être privée. Le genre du journal de voyage est encore, est émergent peut-être à ce moment-là, donc c'est pas encore tout à fait fixé. Donc de ce point de vue-là, Montaigne est à l'avant-garde. Enfin, il y a quelques exemples avant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, Jean Balsamo a beaucoup travaillé cette question-là. Je pense que Jean Balsamo, c'est un nom que j'ai prononcé quelques fois en histoire littéraire.
Donc voilà, il y a cette idée-là. Et effectivement, la Cour, pour prendre le point de vue plus politique, est itinérante. Donc elle commence à se fixer un peu plus à partir de François Ier. Mais bon, c'est pas immédiat, hein, le changement. On n'est pas encore justement au XVIIe siècle. Donc là, Montaigne, on est entre les deux. On est à la fin du XVIe siècle, mais voilà, c'est pas encore... Il y a beaucoup de changements politiques, hein, aussi, évidemment. C'est-à-dire D'ailleurs, j'ai peut-être, dans les raisons du voyage, j'ai oublié de mentionner quelque chose d'important, c'est-à-dire une sorte de fonction d'échappatoire par rapport aux soucis domestiques, donc la gestion du... ce qu'on appelle le ménage, donc la gestion du foyer, hein, tout simplement le personnel de la maison, le domaine, parce que c'est un grand domaine, quand même, au château de Montaigne, qu'il confie à sa femme quand il part, hein. Mais il y a ça, les soucis domestiques, mais aussi, peut-être de façon plus importante, c'est les troubles religieux. Donc vraiment les guerres civiles qui déchirent la France pendant 30 ans, à partir de 1562 jusqu'à la toute fin du XVIe siècle, jusqu'à l'édit de Nantes. Et ça, bien sûr, c'est un drame absolu, donc, et qui d'ailleurs divise la famille même de Montaigne, hein. Donc là, ce qu'on appelle la réforme. Et voilà, donc c'est aussi l'idée de fuir cette situation politique-là, d'autant plus que la peste sévit aussi dans ces années-là. Alors pas seulement en France, hein, en Italie, etc. Donc bon, beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là. Mmh. Oui, bon, j'imagine que quand on a échappé à la peste, avoir des calculs rénaux... c'est vrai, ça permet de relativiser. C'est moins rapide comme... c'est vrai. Mais le pauvre Montaigne est aussi victime de rage de dents parfois, donc voilà, il a tous les problèmes du monde. Ça nous permet nous-mêmes des fois de relativiser un petit peu, hein. Et justement, donc là, on est beaucoup en fait dans les études littéraires, hein, dans le français. Mais en fait, lorsque l'on édite ce genre de texte, en fait, l'intérêt de faire ça aussi, c'est aussi un intérêt historique, j'imagine. Bien sûr. Et vous parliez du Montaigne plus humain. Donc, je crois qu'il y a aussi cette dimension. On a accès ou on a l'impression d'avoir accès à un Montaigne peut-être plus authentique, même si en fait on sait bien que dans les essais c'était son projet, en tout cas c'est ce qu'il nous dit, hein, de se peindre de façon très authentique, à nu, se mettre à nu pour ses proches. Donc en fait à circulation familiale aussi, a priori les essais, mais on sait bien qu'il ne faut pas faire confiance à Montaigne parce que pourquoi publier, pourquoi s'adresser au lecteur? Et on voit bien qu'il connaît bien la psyché humaine, hein, en disant « lecteur, passe ton chemin, il n'y a rien à voir ici », ça attise la curiosité du lecteur, donc forcément, banco. Hein. Donc Montaigne était quelqu'un de très intelligent, évidemment. Et voilà, donc la circulation privée, l'authenticité, etc. On a l'impression d'avoir un Montaigne un peu sans filtre, et peut-être ce dialogue entre l'autoportrait et le portrait, puisque à la base, on a quand même le secrétaire qui parle de Montaigne. Donc il y a du discours rapporté. Est-ce que Montaigne a dicté des choses au secrétaire? On a quand même l'impression aussi que le secrétaire a une voix à part entière. Donc pendant longtemps, on l'a laissé... un peu sur le carreau, ce pauvre secrétaire, en disant que c'était vraiment juste le scribe de Montaigne. Mais maintenant, de plus en plus, la tendance est à la revalorisation de cette petite main, en disant que lui aussi, il a voilà, une personnalité, il a ses propres intérêts, son propre style aussi. On sent qu'il y a quand même un décalage, hein, quand on lit attentivement ce journal de voyage. Le secrétaire est spécialement, par exemple, attentif à tout ce qui relève de l'ingénierie, donc vraiment une sorte de passion ingénieur, comme ça, pour les installations hydrauliques, par exemple. Enfin, voilà. Montaigne aussi, mais encore plus dans le cas du secrétaire. Donc voilà, il a tendance aussi à comparer beaucoup ce qu'il voit avec ce qu'il connaît chez lui, hein, en bon gascon. Donc vraiment, ah tiens, ça ressemble à la Garonne, etc. Vous voyez, donc c'est assez intéressant, c'est assez touchant, en fait, de voir aussi cette personnalité du secrétaire qui transparaît à côté de celle de Montaigne. Et donc, qui parle lui-même de Montaigne, hein, Monsieur de Montaigne, au début. Voilà. Et quand Montaigne parle de lui, ben, effectivement, c'est pas tout à fait la même tonalité que dans les essais, évidemment. Notamment quand il décrit, il y a des passages quand même peut-être plus intimes, hein, où il parle vraiment des effets de l'eau ou des cures thermales sur son corps. Et donc là, on a le détail de ses calculs rénaux, hein, comment ils sortent, d'où ils sortent, etc. Bon, il ne faut pas lire ça à n'importe quelle heure, hein, sinon faut piocher. Vous avez le droit de piocher. D'ailleurs, c'était le mode de lecture de Montaigne lui-même, il en parle, hein, dans les essais. Il papillonne, Montaigne, donc il ne faut pas se prendre non plus trop au sérieux quand on lit. Donc dès que ça lasse, on passe. Voilà. On peut sauter des passages. On a construit le texte. Alors, ça, c'est une intervention proprement éditoriale. Donc on a segmenté le texte par mois.
un peu pour suivre l'esprit du journal de voyage. Et donc, on peut vraiment piocher aussi en fonction des lieux qui sont systématiquement mis en gras, mis en évidence dans le texte. Donc voilà, s'il y a des endroits qui vous intéressent plus particulièrement, enfin, pas besoin que ce soit suivi. Et dès que ça vous ennuie, vous passez à autre chose, vous allez boire un thé, et ensuite vous revenez. On le note dans un journal. Voilà, exactement, et tout à fait, mais oui, je vous encourage à le faire, bien sûr. Mm-hmm. Alors, vous l'avez dit, Montaigne, il passe par plusieurs pays, mais notamment la Suisse. Et est-ce qu'il y a des petites anecdotes ou de son passage en Suisse qui serait intéressant Oui, c'est vrai, parlons un peu de Suisse, vous avez raison, hein, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même dire, à cette époque, la Suisse se confond, et surtout dans l'esprit de Montaigne, assez souvent avec l'Allemagne. On sent qu'on est quand même un peu cousin germain sur certaines choses, notamment le rapport à la boisson. Oui, il y a quand même cette idée du Suisse et de l'Allemand un peu ivrogne sur les bords, mais pas que, il y a aussi effectivement d'excellents bains thermaux. Et effectivement, il passe notamment à Bâle. Je pense que Bâle est une étape vraiment importante du journal de voyage, et il y rencontre, parce que c'est vraiment un haut lieu, un foyer de l'humanisme à cette époque-là, et il rencontre toute une série de personnalités, notamment ce Félix Plater, qui est vraiment un érudit de l'époque, et qui a vraiment un cabinet de curiosité, donc avec des herbiers, des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment quelque chose de passionnant, je trouve, de voir vraiment cet humanisme en acte, en marche, et de façon non médiatisé, là, pour le coup, on est dans le récit du secrétaire. Enfin, je sais pas, je vous encourage vraiment à aller voir ça du côté de Bâle. Après, bon, Baden aussi, hein, près de Zurich. Je ne fais pas l'injure de vous expliquer où est Baden. Mais voilà, mais Bâle, je pense que c'est vraiment une étape très importante, avec plein de petits fun facts disséminés, ça et là, par exemple. Il y a aussi la question de la religion, du coup, vu qu'on est dans une région protestante. Et oui. Et sauf erreur, Montaigne se rend compte que même dans la religion protestante, il y a différentes factions, et je crois que ça l'intéresse. Ah oui, alors ça, c'est aussi un point extrêmement important du journal de voyage, c'est la question confessionnelle, les religions. Et c'est vraiment passionnant, là aussi, ça donne à voir un Montaigne, peut-être un peu surprenant, je dirais, par rapport à cette question-là. Parce que bon, Montaigne est catholique, hein, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, catholique pratiquant. Il y avait vraiment cet espace dans sa fameuse tour, vous savez, au château, la seule qui reste, hein, le seul vestige qui a survécu. Il est catholique, donc ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il va poser son ex-voto à Lorette, hein, quand il y a ce pèlerinage. Mais il a quand même un regard assez distancié parfois par rapport à certaines pratiques religieuses qui relèvent de la dévotion un peu excessive, peut-être. Hein, on ne parle pas encore de fausse dévotion comme au XVIIe siècle, notamment avec Molière et compagnie. Mais voilà, on a déjà quelque chose de cet ordre-là, notamment quand il est à Rome. On se rend compte que les rituels liturgiques sont décrits avec beaucoup de précision. Il y a vraiment cette acuité du futur anthropologue, ethnologue. Donc on peut avoir l'impression d'une description neutre, mais il y a quelques brèches quand même, hein, qui remettent en question quand même peut-être l'excès ostentatoire de certains gestes liturgiques, on dira ça comme ça. Donc même par rapport au catholicisme, vous voyez, il n'y a pas de naïveté, je dirais. Il y a aussi la question de traiter le catholicisme comme un objet culturel, d'une certaine façon. D'ailleurs, c'est une phrase qu'on cite partout et tout le temps, mais il dit à quel point on est chrétien comme on est périgourdin ou allemand. Donc il y a vraiment cette idée de déterminisme du lieu, d'une certaine façon, qu'il ne faut pas chercher à combattre, à changer. Montaigne, on parle souvent, vous savez, de la modernité de Montaigne. Je pense que c'est très juste dans de nombreuses thématiques, dans son regard justement porté au monde, dans son scepticisme. Mais il est quand même très conservateur. Hein. Ça, je crois qu'il ne faut pas non plus trop faire d'anachronisme à ce niveau-là. Il n'est pas pour la réforme, la révolution. Enfin, il n'est pas punk, hein, Montaigne. Donc voilà, typiquement, la question de la religion, il faut qu'elle reste comme ça. Même si elle a un côté peut-être accidentel jusqu'à un certain point, en fonction du lieu, il ne faut pas chercher à la changer. Donc de ce point de vue-là, la réforme est une menace pour la France, hein, puisqu'elle va vraiment remettre en cause les fonds de la nation, puisque la religion fait partie de ces caractéristiques majeures de la nation qui est en train de se constituer. Et donc, il y a cette idée-là par rapport au catholicisme, mais il y a aussi, bien sûr, le regard de Montaigne sur les protestants. Protestants, je dis au sens large, mais effectivement, à l'intérieur des réformés, il y a plusieurs courants. Et Montaigne montre à quel point, quand même, comme vous le disiez, Clara, c'est très juste, il y a des dissensions internes. Personne n'est d'accord entre ceux qui obéissent à Luther, à Zwingli ou justement...
Calvin. Calvin, merci. Et c'est intéressant. Bravo. Je vois que vous êtes... au taquet ce matin. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Au taquet. On me teste pour voir si j'écoute. Vous en faire encore deux, trois comme ça. C'est ludique. Donc, pour Calvin. Et c'est intéressant parce que... On se rend compte qu'il y a des idées, bien sûr, dogmatiques là-derrière, notamment par rapport à la transsubstantiation, hein, qui est vraiment un enjeu important de ces différentes sectes, hein, pour reprendre un terme de l'époque. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup de politique là-derrière, ça rejoint ce qu'on disait, à savoir, eh bien, Calvin, vous savez d'où il vient, Calvin ? C'est de Genève. Eh oui. Eh oui. Et Luther ? Luther est allemand. Et Zwingli ? Zurich. Et oui, et Suisse. Donc vous voyez, il y a aussi cette idée-là. Hein. Finalement, on obéit, enfin, on a son champion local, régional, jusqu'à un certain point. Donc bon, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Et en tout cas, Montaigne vraiment observe ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de curiosité, encore une fois, ethnologique, anthropologique. Et donc, chaque fois qu'il arrive dans une ville où cohabitent plus ou moins différentes religions, ou alors juste protestantes, juste calvinistes, juste catholiques, il essaie toujours d'aller parler avec les pasteurs, les ministres, les jésuites, un peu tout le monde, pour essayer de comprendre quelle est la position locale. Et donc, il y a vraiment cette idée de discuter, de dialoguer. Donc, beaucoup d'ouverture à ce niveau-là. À et nouveau, vraiment, tout est recevable. Il frotte son cerveau. Voilà, il va limer sa cervelle contre tout le monde. Exactement. Et c'est une métaphore très organique, mais je crois que l'écriture de Montaigne est très organique. Hein, dans le journal de voyage, c'est absolument magistral, parce que bon, il parle de son corps, mais ça informe vraiment sa perception du monde aussi. Et même, voilà, il y a la question du judaïsme aussi qui se pose. Donc, aussi avec la même curiosité, le même degré de... Oui, pardon, je ne sais pas vous. Oui, non, bien sûr, non, pas de problème. Mais voilà, donc tout est recevable et tout est intéressant. Donc il y a vraiment, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette cérémonie, par exemple, de circoncision de l'enfant juif, hein, qui est vraiment aussi passionnante. Et si ça vous intéresse aussi, la Frédéric Tingly, dont j'avais déjà parlé, on parle magistralement. Et donc voilà, il y a plein de d'interventions de ce type-là dans le journal de voyage. Et il faut aller voir. Voilà, il faut aller voir. Je ne vous en donne pas plus. Et à propos de curiosité, un des passages qui m'avait frappé et qui se retrouve aussi dans les essais, c'est toute la question. Alors, la transidentité, c'est peut-être très anachronique, mais il y a quand même cette... il parle de Marie Germain et là, il parle aussi d'une autre histoire, d'une femme qui s'est déguisée en homme, et puis après qui refuse de justement se sortir de cette identité masculine. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous en parler un peu plus. Oui, alors c'est vrai que ça, c'est quand même un passage très étonnant, hein, pour notre regard contemporain. Je crois qu'on vraiment peut parler de transidentité. Hein. Alors, le mot n'existait pas, mais c'est exactement ce qui se passe, sous différentes formes. Hein. Mais effectivement, le cas de Marie Germain est une sorte de cas d'école à ce moment-là. Et c'est Ambroise Paré, le chirurgien du roi, en parle aussi dans son traité. C'est vraiment un cas connu. Ça fait partie des curiosités qui existent. Justement, pour ceux qui n'auraient pas encore lu ou découvert ça, est-ce qu'on pourrait préciser un peu ce qui s'est passé justement et les conséquences de ces cas ? Car je crois qu'il y avait un groupe de sept jeunes femmes qui s'étaient déguisées en hommes, c'est ça, et qui ont vécu quelques années comme cela. Et il y en a un qui a voulu rester homme, mais qui à la fin s'est retrouvé pendu, c'est ça ? Oui, exactement. Et on se rend compte que finalement, c'est surtout parce qu'il y a eu usurpation du code masculin. Le mot sex toys n'existe pas dans le texte, mais on peut supposer qu'il y a quand même ça, hein, quand il dit les artifices du sexe masculin pour justement remplir ce rôle d'homme et vivre avec une femme qui a été démasquée. Et c'est ça qui pose problème. Donc il y a toute la question de la nature et de la culture, et la culture est vraiment absolument indispensable. Hein. On sépare aujourd'hui sexe, genre. Là, la question se pose aussi. Et dans le cas de Marie Germain, c'est un cas un peu différent, puisque bon, là, c'est vraiment, ça relève du prodige, hein, puisque un grand enjambé, ses outils virils se seraient produits, donc existent. Donc en gros, il y a vraiment cette idée, hein, du corps masculin, du corps féminin qui seraient équivalents. Et donc la femme a ses organes en elle, hein, enfin, en gros, les organes masculins, mais à l'intérieur, et donc il se serait produit. Montaigne n'est pas le seul à en parler, il en reparle d'ailleurs aussi dans les essais. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il faut renommer, hein, il faut l'appeler Germain, il faut qu'il y ait une coïncidence justement entre le sexe, le genre, la culture, hein, la culture et la nature d'une certaine façon.
Donc, tu sais, c'est un cas absolument passionnant, effectivement. Il y a plein d'autres curiosités de ce type-là, à vrai dire, dans le journal de voyage, qui intéressent vraiment notre regard moderne. Je pense aussi au cas du mariage homosexuel. Hein. En Suisse, on est un peu en retard, comme vous le savez, c'est tout récent. Mais là, il y avait déjà une sorte d'occurrence quand il est à Rome. Il entend parler de ça. Bon, ça se finit très mal hein, pour les hommes concernés. Et c'est que pour les hommes, évidemment, deux poids, deux mesures. Hein. Ça ne concernait que les hommes. Mais voilà. Donc, il y a des curiosités de ce type-là absolument remarquables, hein, vraiment. Mm-hmm. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Est-ce qu'ils sont aussi retrouvés pendus ou, enfin... Oui, alors effectivement, ils se sont tous fait tuer. Pour, ouais, c'est pas porteur d'espoir, cette non. histoire, mais effectivement, ça se finit mal. Okay. Mais il y a quand même cette idée de non-jugement, je crois, parce que ça, c'est un constat, hein, donc Montaigne relaie cela. Mais il y a quand même ce constat d'ouverture, de neutralité, de... Voilà, j'enrôle, j'emmagasine toutes ces aventures, toutes ces curiosités pour le cas de Montaigne, ouais, effectivement. Ouais. Là, je vous parlais tout à l'heure du cabinet de curiosité, donc là, vraiment, l'endroit où on expose différentes curiosités dignes d'être vues, dignes d'être observées. Mais en fait, le journal de voyage est lui-même, enfin, une échelle un peu méta, un cabinet de curiosité, puisque Montaigne vraiment recense tout ce qu'il voit, tout ce qui est remarquable autour de lui, que ce soit des curiosités d'ailleurs linguistiques, hein, quand il est en Italie, il dit « Ah !» ou alors dans une région qu'il ne connaît pas, « Tiens, ceci, ça porte ce nom. Tiens, ça, c'est ce qu'on appelle un tigre. » Alors qu'en fait, c'est pas vraiment un tigre, mais voilà, les animaux aussi particuliers qu'il rencontre. Curiosité voilà, anthropologique, bien sûr, curiosité horticole, curiosité hydraulique, enfin voilà. Oh, ouais. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, hein, mais un vrai humaniste. Oui, mais oui. C'est vrai que pour les personnes qui nous écoutent, Ryan n'a pas encore suivi le cours d'histoire littéraire. Donc, Ça remonte à la deuxième du collège, donc entre l'armée, les deux ans d'université, les 50 collèges. Je comprends, mais ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt être remis sur les rails. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Avec un regard, j'espère, un peu différent de ce que vous avez vu en deuxième de collège. Ah oh, mon Dieu, oui. Maintenant qu'on a aussi les outils pour apprivoiser ce genre de texte. Hein. Oui. Mais en tout cas, pour ce journal de voyage, ça se veut aussi, pas seulement pour les universitaires, j'imagine. Aussi. Non, justement, non, ouais. Non, c'est bien l'intérêt, effectivement. C'est pour un public élargi. Et donc, c'est vrai que les très belles illustrations d'époque qui ont été choisies permettent aussi de rendre la lecture, on le disait tout à l'heure, peut-être plus agréable aussi, plus aérée. Donc, non, c'est fait pour ça. D'où l'adaptation aussi dans un français qui soit lisible pour éviter d'avoir cet obstacle supplémentaire. Parce qu'on a cette idée un peu reçue, le journal de voyage est écrit sans fioritures, donc c'est plus facile à lire. Mais en fait, on se rend compte que pas du tout. Hein. Quand on fait ce travail d'adaptation, on se rend compte que c'est très difficile. Et honnêtement, c'est une belle leçon d'humilité, puisqu'on se rend compte que c'est souvent difficile de savoir comment adapter telle ou telle phrase. Et alors là, je parlais du caractère collectif de cette entreprise. J'ai pas hésité à aller demander aux spécialistes ça et là de Montaigne un peu partout dans le monde, d'ailleurs, pour m'aider sur certains passages. Et parfois, j'avais un peu la malice de soumettre le même passage à deux personnes différentes. Et autant vous dire que tout le monde n'est pas d'accord. Donc, c'est dire quand même à quel point c'est pas simple. Et je crois qu'il faut garder en tête quand même que adapter, c'est quand même toujours interpréter aussi. Parfois, il faut faire des choix. Parfois, il y a aussi une sorte de flottement énonciatif. On ne sait plus trop qui est le « il », qui est le « je », etc. Donc là, on a été obligé de décider. Voilà, il y a des partis pris parfois. Mmh, d'accord. Et ce livre, justement, quand est-ce qu'on pourra le retrouver et où est-ce qu'on pourra le retrouver ? Eh bien, a priori, ce sera facile de se le procurer parce que c'est une édition, donc les éditions bouquins qui sont vraiment diffusées partout. Coédition avec Mola de Bordeaux, la grande librairie indépendante à Bordeaux qui fait aussi beaucoup d'émissions, hein, comme ce qu'on est en train de faire là, avec beaucoup de matériel aussi audiovisuel de pointe. Et donc, on pourra le retrouver a priori très facilement un peu partout, et ça va paraître le 9 novembre, donc c'est imminent. Voilà, donc là, en primeur pour Unimix, je rappelle. Voilà, n'est-ce pas? voilà le bébé. Mm-hmm. Bien sûr, une question, donc là, je vois le titre « Journal de voyage en Italie par la Suisse et l'Allemagne ». Est-ce que, bon, du coup, on n'a pas le manuscrit original, mais est-ce que c'est le titre qui a aussi été utilisé dans l'histoire éditoriale de cette œuvre-là? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi ce choix-là?
Alors, c'est aussi une très bonne question. On sent que vous avez le regard philologique hein, par ici, c'est très bien. Vous avez été à bonne école. Mais, alors, il y a beaucoup de flottements autour de ce titre. On se fonde, bien sûr, sur justement les premiers éditeurs du XVIIIe siècle, où d'une édition à l'autre, le titre a aussi un tout petit peu fluctué. Donc là, il faudrait rajouter encore en 1580 et 1581. Mais après, vous voyez, on est confronté aussi à des critères finalement pragmatiques, des considérations concrètes, c'est-à-dire pas trop charger non plus la page de titre pour pas la rendre disgracieuse. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et dans la mesure où c'est que de toute façon du matériau rapporté, on n'a pas l'original, je crois qu'il ne faut pas non plus trop sanctifier voilà, ces intermédiaires. Donc peut-être qu'on peut se permettre aussi, mais ça c'est mon opinion, un peu plus de liberté que si c'était vraiment voilà, le manuscrit original de Montaigne. Là, c'est toujours de la source indirecte. Mais il y a quand même journal, donc forcément oui. Un aspect journalistique, une volonté un peu de témoignage de la vérité et de l'authenticité. Mm-hmm. Et voyage, à quel point on a un témoignage vraiment du... J'ai l'impression qu'on a le voyage dans le sens où on découvre des nouveaux endroits, etc. Est-ce qu'on nous parle du voyage concret, de comment on se transporte d'un endroit à l'autre ? Oui, alors effectivement, c'est un élément très important, le côté concret du voyage. Vous avez d'ailleurs des gens qui ont vraiment travaillé sur les données un peu statistiques de ce voyage, le nombre de personnes, le nombre de jours, etc. Notamment, on sait que c'est à peu près 450 jours de voyage en tout, dont une bonne partie vraiment qui se passe à cheval, hein, donc vraiment des étapes très très longues. Montaigne est quand même assez dur au mal, hein, donc il est capable d'enchaîner 10 heures à cheval tous les jours, enfin pendant un certain temps. Donc avec c'est quand même avec des calculs rénaux, des dents douloureuses, des gens désagréables qui veulent aller à Rome et lui il a juste envie de prendre son temps dans les bains. Donc voilà, il y a des petites dissensions aussi à l'intérieur de l'équipage. En même temps, lui il avait une cinquantaine d'années, non ? Oui, oui. Et je crois qu'ils avaient les autres 20 ans, 25 ans, donc voilà, la fougue de la jeunesse. Et puis l'idée de Rome quand même, hein, l'Italie c'est dans l'imaginaire, c'est très important à la Renaissance. L'Italie c'est vraiment le modèle, mais aussi la rivale. Enfin voilà, il y a cette relation très très intense hein, avec l'Italie, entre l'Italie et la France. Donc forcément, ces jeunes gens n'avaient pas forcément envie de grenouiller dans les bains de plombières. J'ai pris là un néologisme de Montaigne d'ailleurs, grenouiller. C'est des choses qu'on a conservées typiquement dans l'adaptation, parce que ça fait partie de la saveur du texte vraiment. Mais... Donc voilà, effectivement, il y a de ça. Et donc les données concrètes aussi, tout simplement, que ce soit le secrétaire ou Montaigne. J'essaie de vous regarder, Mathilde, mais je ne vais pas trop bouger ce micro en même temps, donc c'est très naturel comme position, n'est-ce pas ? ne le prenez pas personnellement, c'est aussi pragmatique. Mais voilà, donc il y a aussi cet intérêt pour le prix de la vie, chaque fois qu'il arrive quelque part, hein, combien ça coûte de louer un cheval, de donner de l'avoine, de louer un gîte. Montaigne s'en amuse, hein, notamment en Italie, où chacun essaye vraiment de... En fait, on a quand même des roublards en Italie, hein, et c'est intéressant parce que même en termes de stéréotypes nationaux, on retrouve alors des écarts et quand même des similitudes par rapport à aujourd'hui, mais je vous laisserai apprécier vous-même, notamment voilà, dans le nord de l'Italie. En fait, c'est très drôle parce que nous, on a cette idée de la gastronomie italienne, n'est-ce pas ? Alors qu'à l'inverse, en Allemagne, on mange des schnitzels et bon, c'est un peu pénible. Expérience faite, je suis au cœur de l'affaire. Mais voilà, et en fait, on se rend compte que Montaigne adorait la gastronomie allemande, etc. Enfin, vraiment. Moi, je crois même qu'un de ses regrets, c'est de ne pas avoir pris un cuisinier avec lui. Mais oui, d'ailleurs, c'est le petit extrait que je voulais vous lire. Ah oui, ah, mais est-ce qu'on peut peut-être le lire? Mais alors, avec grand plaisir, justement, ouais. Ce passage me semble quand même assez savoureux parmi d'autres. Mais voilà, donc il me semble que c'est la page 69. C'est donc la troupe a passé Constance. Donc on est dans cette petite bourgade, Lindau. Et donc là, Montaigne vient d'essayer l'usage de la couette. Il découvre la couette, en fait, il ne connaissait pas. Donc ce qu'on dit, le duvet ici, hein, pour je sais pas, les Valaisans peut-être. Le duvet. Comment ça, il ne connaissait pas? Et ben, c'est un usage allemand. Donc il y avait voilà, des... Donc ça, c'est des choses qu'on apprend aussi en lisant le journal de voyage. Et donc, peut-être un peu dubitatif au début, mais finalement, il adopte cet usage à tel point que quand il arrive en Italie, il se dit, mais c'est nul, il n'y a pas de couette ici. Enfin, bon, c'est très drôle parce que vraiment, il y a l'assimilation du voyageur par rapport à ça, donc très ouvert et qui absorbe vraiment, déjà l'eau locale, hein, les denrées locales, mais aussi les coutumes locales, en tout cas pour celles qui lui conviennent. Alors donc il essaie la couette, ça se passe très bien, et ensuite de ça, donc il parle de l'art de la table, donc là ça, c'est ce que vous disiez aussi Mathilde, il y a vraiment, qu'est-ce qu'on mange finalement, quel gibier, hein, etc. Et donc, là,
Je vous passe le passage, mais il finit en disant, voilà, leur pain est la plupart du temps fait avec du fenouil. Après le repas, ils remettent sur la table des verres pleins et ils font deux ou trois services de plusieurs choses qui altèrent l'esprit. On rejoint ce qu'on disait un petit peu sur les Allemands qui aiment bien picoler un peu. Et effectivement, il y a certaines choses qui ne changent jamais, j'ai l'impression. Mais et le pain au fenouil, il faut voir, hein, ça c'est encore peut-être d'usage, mais enfin, je vous laisserai aussi apprécier. Donc je continue le paragraphe. Monsieur de Montaigne, donc là on voit bien que c'est le secrétaire qui écrit, hein, à la troisième personne, regretterait trois choses dans son voyage. La première était qu'il aurait dû emmener un cuisinier pour l'instruire des façons locales et pour essayer de reproduire les recettes de retour chez lui. Donc c'est la preuve quand même qu'il a apprécié aussi, en tout cas certaines choses, hein, qu'il a pu goûter, voilà, en voyage. La deuxième était qu'il aurait dû emmener un valet allemand ou chercher la compagnie d'un gentilhomme du pays au lieu de vivre à la merci d'un vaurien de guide qui l'incommodait beaucoup. C'est vrai que ce pauvre guide lui pose quelques problèmes, à tel point qu'il est même dans une sorte de démêlé judiciaire à cause de ce guide. Enfin bref, là aussi je fais un peu de teasing, hein, vous irez trouver le passage vous-même. La troisième était qu'avant d'entreprendre son voyage, il aurait dû consulter les livres comportant les choses rares et remarquables de chaque lieu ou prendre un Münster, hein, donc ça c'est un ouvrage très célèbre, publié en 1544, donc de cosmographie universelle, qui parle du monde dans sa globalité et qui répertorie donc les curiosités du monde. Ah d'accord, une sorte de guide du routard. Oui, alors, version vraiment assez cosmique, hein. La cosmographie c'est vraiment le monde dans son ensemble, donc c'est quelque chose de très ambitieux, c'est pas juste... Ah par exemple, à cette place, Narcisse était là ou... Oui, alors ça peut effectivement relever de différents types d'informations, plus topographiques ou alors mythologique, enfin c'est vraiment une sorte de fourre-tout d'une certaine façon, hein. Donc vraiment un ouvrage qui répertorie les choses à voir, ou un ouvrage apparenté dans ses bagages. À la vérité, il mêlait à son jugement un peu de mépris pour son propre pays, qu'il avait en haine et à contre-cœur pour d'autres raisons. Donc là c'est ce qu'on disait aussi, hein, pourquoi est-ce qu'il fuit son pays, pourquoi est-ce qu'il prend la distance par rapport à la France. On peut penser aux troubles religieux. On peut penser à d'autres choses aussi, mais ça, c'est quand même la lecture qui s'impose a priori, hein. Mais en tout cas, il préférait sans comparaison possible les habitudes de ce pays-là à celles des Français, et il s'y conforma jusqu'à boire le vin sans y ajouter de l'eau. Quant à boire à l'envie, il n'y fut jamais convié que par courtoisie, mais il ne l'entreprit jamais. Donc à nouveau, on retourne chez les ivrognes. Mais là, c'est intéressant de voir que, vous voyez, il y a cet usage français qui consistait à mélanger l'eau et le vin. Ces vins étaient quand même très forts, hein. Alors qu'à l'inverse, justement, en Allemagne, on le boit pur. En Suisse aussi, d'ailleurs. Donc là, allez mélanger de l'eau avec du vin chez les Français, vous verrez comment vous serez reçus. surtout à Bordeaux, hein, je vous garantis pas l'accueil que vous aurez. Mais donc, il y a cette idée-là, et vous voyez cette prise de distance par rapport à la France. Donc là, c'est vrai que quand on dit que les Français sont chauvins, exemple, par le champion national en titre, non, pas nécessairement. Il sait aussi, regarder ça un petit peu de côté. Mmh. Et donc, toute cette entreprise pour créer cet objet, combien de temps est-ce que ça vous a pris? Et pour vous, qu'est-ce qui a été la plus grande difficulté, en fait? Alors, c'est un peu difficile de quantifier le nombre d'heures passées là-dessus. Il y en a énormément. Il y a eu des phases vraiment accrues, des phases un petit peu plus détachées. Enfin, voilà, donc c'est difficile de quantifier. Mais en tout cas, c'était une entreprise de longue haleine. Et heureusement qu'on était quand même plusieurs aussi à pouvoir collaborer à des degrés divers. Hein. Comme je vous le disais, parfois, c'était juste pour un paragraphe, ça et là. Mais voilà, donc il a fallu aussi attendre le retour des personnes, etc. Beaucoup de dialogues. Et bon, la difficulté principale, c'est tout simplement, je crois, de choisir le bon terme pour traduire, enfin pour adapter celui de Montaigne, en étant respectueuse, en essayant vraiment de comprendre le sens. Et je vous dis, le sens, c'est pas univoque, ça, vraiment, c'est peut-être un peu simpliste, hein, comme réponse, mais je crois que c'était la difficulté majeure. Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce que peut-être vous pourrez nous parler d'un passage qui était particulièrement difficile, où il y a eu beaucoup d'hésitations? Alors mon Dieu, il y a un passage affreux qui a fait couler aussi beaucoup d'encre. Quelqu'un a écrit un article pour essayer de comprendre le passage, etc. C'est ce fameux canal à deux ponts. Enfin, il y a une sorte de structure absolument incompréhensible avec plusieurs ponts qui se juxtaposent et des canaux qui passent avec des routes, mais on ne sait pas si c'est une route ou une voûte. Donc il a fallu aller lire un peu tous les textes pour voir exactement comment ça se passait. Et pour être complètement honnête, ce passage reste obscur. Donc à tel point qu'on a mis une petite note, enfin, j'ai essayé d'expliquer en quelques lignes, en gros,
qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ressemble ce pont ? Donc, voilà, il y a vraiment des passages de ce type-là. Après, il y a des détails aussi. On ne savait pas trop parfois si un terme était compréhensible pour le lectorat contemporain. Et on s'est vraiment posé la question, donc à plusieurs. Et moi, j'ai pris des cobayes donc pour essayer de tester et dans différents milieux d'ailleurs. Quand j'avais mes étudiants du LT8, donc après vous, la génération d'après. Donc là, j'ai eu quelques cobayes aussi pour certaines pages. Aussi dans des milieux moins universitaires, mais quand même avec des gens lettrés, donc qui ont l'habitude de lire et qui ont quand même une culture un peu générale. Des gens qui aiment quand même lire, hein, parce que sinon, ça a pas trop de sens. Mais donc voilà. On sent qu'à partir de la formation de ces personnes, de l'âge de ces personnes, de leur région géographique, hein, que ce soit en France ou en Suisse, on n'avait pas du tout les mêmes attentes. Donc on a essayé de prendre la meilleure leçon à chaque fois pour essayer de convenir au plus grand nombre. Mais voilà, c'est un peu du bricolage aussi, hein, d'une certaine façon. Mais voilà, pour éviter d'avoir un prisme trop subjectif et trop individuel, on a fait ça. Et vous, en fait, pourquoi en fait cet intérêt pour la littérature de ces siècles, d'où est-ce que ça vous est venu? Bon, bah, c'est peut-être une histoire un peu étrange, mais à la base, j'avais pas vraiment, je pense, d'affinité avec cette littérature-là, que je connaissais peu ou mal. Enfin voilà, avec le collège, on entendait 2-3 choses sur Ronsard, mais autant vous dire que c'était quand même pas très émoustillant. Et il se trouve que à mon oral de bac, rien à voir, mais sur Madame Bovary, sur le bal de la Vaubyessard, j'avais Simone de Rijf en face de moi comme experte, qui a donc été la 16e ici quand j'ai commencé mes études. Et vraiment, j'ai eu cette révélation intellectuelle en face de cette femme que j'admire beaucoup, si elle nous regarde d'ailleurs. Bonjour Simone. et voilà, donc j'ai eu... On parlait de Flaubert, mais ça m'a donné envie de poursuivre mes études. Et j'étais même pas vraiment décidée à aller en français à l'université avant ce moment-là. Donc, vous voyez, c'était vraiment un moment décisif pour moi. Et j'ai eu envie de poursuivre à l'université. Donc, j'ai suivi les cours de Simone de Rijf, et vraiment, alors qui était spécialiste de 16e siècle, qui est toujours d'ailleurs. Et vraiment, là, une révélation pour cette espèce de continent complètement mystérieux, très difficile quand même à appréhender, avec plein de noms quand même tout à fait exotiques, Mélin de Saint-Gelais, etc., Théodore de Bèze. Je me suis dit, mais qui sont ces gens-là? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Voilà, j'avais envie de creuser ça. Et donc, j'ai appris plein de choses. Tout un iceberg, en quelque sorte. Exactement. Et il y avait vraiment cette espèce de défi intellectuel, je crois, qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Et donc, après, j'ai vraiment chopé le virus ancien régime. Donc, 16e, ça s'est diffusé. Il y a eu la contagion aussi au 17e siècle et au 18e siècle, dans une moindre mesure, mais surtout 16e, 17e siècle. Pour avoir un peu le goût, l'idée de ce qui se passe. Et puis, vous qui avez justement maintenant étudier différents auteurs et autrices de cette époque, est-ce que ce qu'on voit à l'école avant le collège, c'est quand même un peu représentatif ou pas du tout? Je pense que ça dépend des collèges, les enseignants, les enseignantes, mais dans la plupart des cas, c'est pas forcément de la faute des enseignants eux-mêmes, c'est juste qu'il y a des programmes à respecter, on passe peu de temps sur la Renaissance, etc. Donc il y a un peu des idées reçues, évidemment. Là, on prend le temps de quand même les déconstruire, donc je pense qu'il y a à boire et à manger, hein. Donc ça, c'est aussi l'intérêt de déguiser son sens critique quand on arrive à l'université. On peut remettre en cause des choses qu'on a vues par le passé. Vous me direz, avec la linguistique, c'est la même chose, hein. Quand vous arrivez, là aussi, cette espèce de choc intellectuel où on déconstruit des choses qu'on a vues en grammaire, etc. Donc voilà, on fait table rase de certaines choses quand même. Et il est vrai que pour les personnes peut-être qui ont suivi mon cours d'histoire littéraire, on s'attache quand même à déconstruire bon nombre d'idées reçues. Mais je ne sais pas si vous voulez témoigner d'ailleurs. Oui, est-ce qu'il y a, vous deux qui avez suivi le cours, est-ce qu'il y a un truc vous disiez, ah oui, cette époque c'est ça, et tout d'un coup non? Mais personnellement, j'avais très peu d'informations, en fait. En général, je suis même pas sûre qu'on avait vu Ronsard. Alors, je connaissais un peu la Pléiade et Rabelais, et c'était tout. Et du coup, c'est vrai que le LT8, ça a été une découverte complète comme tu disais, du reste de l'iceberg, en fait dont j'avais absolument aucune idée. Mais je ne sais pas si c'était partagé. Donc, l'avantage, c'est que j'avais très peu d'idées reçues, mais en fait, j'en avais aucune idée tout court. Moi, je crois que je me souviens quand même assez bien de ce que j'avais appris au collège pour la littérature moderne.
J'en parlais avant, j'avais lu La Princesse de Clèves et je trouvais ça très ennuyeux et un peu nunuche, comme je disais. Comme, ça, comme Nicolas Sarkozy. Hein. Mais finalement, et aussi même les choses que j'aimais, déjà à ce moment-là, en moderne, finalement, je pense que je ne savais pas exactement pourquoi je les aimais. Et ça m'a aussi permis de comprendre mieux les textes et de savoir mieux les apprécier ou mieux les discuter, peut-être. Je pense que c'est aussi ça qui est assez fascinant en tant qu'étudiant et étudiante, c'est qu'on arrive là à l'université en ayant une idée à peu près préconçue de la littérature et on arrive, on étudie le Moyen-Âge et puis l'époque moderne et on se rend compte que cette idée, c'est une idée ultra récente et bah, c'est plutôt cette idée de la littérature-là qu'il a fallu reconstruire plutôt qu'une idée de la littérature du 16e en fait. Mm-hmm. Je suis assez d'accord. Mm-hmm. Et donc, justement, vous, j'imagine que vous allez bien évidemment continuer sur cette voie, mais vous ne serez plus à l'Université de Fribourg. C'est votre dernier semestre, et là, tout de suite. Là, oh là là. C'est vrai que ce sera un départ qui se fera dans l'émotion, dans la plus vive émotion, parce que je suis très attachée à Fribourg, à notre département, donc à mes collègues, aux étudiants, aux étudiantes. Enfin, voilà, c'est vraiment un climat extrêmement favorable et je vais beaucoup regretter, mais c'est vrai que là, un peu comme Montaigne, je pars à l'aventure dans d'autres universités. Bon, déjà là, avec l'Allemagne... Ça me donne. J'ai vraiment suivi ces traces en fait parce que je suis un peu plus au nord, hein, du côté de Bonn. Mais voilà, il y a cette idée quand même que dans une carrière académique, il faut multiplier les expériences. Et puis c'est vrai que le semestre prochain, je serai, enfin pour un an, à l'université de Bâle pour remplacer Dominique Branchet. Donc là aussi, ce sera un autre challenge pour moi. Et voilà, donc j'aurai de quoi m'occuper. Et je me réjouis aussi de, bien sûr, de cette expérience. Et puis de toute façon, la Suisse est bien connectée et donc il y aura des échanges. Soutenu avec Fribourg dans tous les cas et d'autres universités. Enfin voilà, je pense qu'il faut décloisonner tout ça. Et... Parce que c'est quelque chose que je vois de plus en plus au cours des interviews, c'est qu'on s'imagine, voilà, bon, déjà, un enseignant à l'université, c'est un professeur, alors que non, professeur, c'est un titre. Et aussi et surtout qu'on ne passe pas sa vie dans une université, quoi. On est vraiment forcé d'aller à gauche, à droite, là où il y a des postes qui se libèrent, quoi. Et surtout que et la Suisse, voilà, petit pays avec ses 10 plus 2 universités, tandis que, bah, par exemple, la Chine, c'est 1440 universités, je crois. Donc ouais, on est obligé de quitter un peu son pays pour se découvrir et découvrir le monde, quoi. Oui, c'est une belle leçon de montagne, tout ça. Non, c'est sûr qu'il faut se laisser porter et être à l'affût aussi des occasions professionnelles qui se dessinent. C'est un monde quand même, vous le savez, assez difficile, hein, le monde universitaire, mais qui est très stimulant. Très stimulant. Et moi, c'est vrai qu'il n'y a rien de plus gratifiant aussi que de voir mes étudiants qui se découvrent comme ça aussi des vocations pour l'ancien régime, et pas que. Mais je pense à Clara qui regardait plutôt du côté du 19e siècle et qui ensuite est sur le chemin avec son pins Montaigne, de même que Mathilde qui Montaigne sur son skateboard. Donc voilà, moi, je suis vraiment, à titre personnel, il y a ma carrière, c'est vrai, ma réussite professionnelle, mais il y a aussi, bien sûr, en corrélation immédiate, celle des étudiantes et des étudiants. Et vous savez que moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Donc, je m'investis beaucoup là-dedans. J'essaie toujours de me redoubler, d'essayer de... Et justement, pour ces derniers et dernières, est-ce que vous avez un conseil en particulier à leur donner pour leurs études ou pour leur futur? Bon, moi, j'aurais tendance à dire la curiosité avant tout, hein, quand même. Donc, sans idées reçues, essayer de... Je parlais de se laisser porter par les occasions, etc. Je crois que c'est très sain, en fait, d'être ouverte à tout ce qui se présente. Je ne veux pas donner des conseils sur la vie privée des gens, mais je veux dire, en tout cas, intellectuellement, oui, parce que de nos jours, ça peut être peut-être bizarrement interprété. Voilà, buvez de l'eau. Non, mais voilà, je pense que c'est pas très original comme conseil, mais ça a le mérite, je pense, d'être... quand même pertinent. Et voilà, donc laissez-vous surprendre aussi par ça, par ces textes qui peuvent rebuter. Enfin, on a des outils maintenant. Moi, j'ai à cœur de donner vraiment des armes pour entrer dans cette littérature-là. Et je crois qu'en fait,
on forme un peu des détectives d'une certaine façon, parce que c'est vrai qu'on a ces objets très bizarres et ensuite on, c'est très gratifiant, je crois qu'on en avait déjà parlé aussi avec vous, tout d'un coup d'avoir des armes, des outils pour les décoder. Et on se dit, ah ben là, je suis autonome face à cette littérature qui m'était complètement étrangère. Donc c'est un plaisir peut-être différent de celui de la littérature contemporaine, mais c'est un plaisir aussi peut-être très intellectuel, mais plaisir quand même, et très gratifiant, je crois. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, surtout cette langue du XVIe siècle doit être apprivoisée. Mais voilà, je crois que ça vous donne une sorte de dame détective. Je crois qu'on devrait d'ailleurs être rattaché à la criminologie. En fait, on a quand même vraiment clairement une formation à faire valoir là. Donc voilà. Excellent. Mathilde, Clara, est-ce que vous avez encore des questions Oh, mille, mais... J'ai peut-être une petite idée, là. Est-ce que de travailler justement sur ce livre-là, ça vous a peut-être amené une autre image de Montaigne, ou ça vous a modifié le rapport à Montaigne que vous aviez avant, ou pas du tout? Oui, alors très très bonne question, parce qu'en plus de ça, la question est d'autant plus pertinente que quand on parle du je, du moi, de la personnalité... Par rapport à Montaigne, on parle toujours des autres. Enfin, il y a toujours cette espèce d'intersubjectivité, d'interconnexion entre les autres. Et c'est valable aussi à l'échelle du lecteur, de la lectrice, par rapport à Montaigne. Il y a vraiment ce dialogue. Alors là, on ne sait pas, a priori, ce n'était pas forcément destiné à un lecteur, une lectrice, contrairement aux essais. Mais quand même, je crois qu'il y a, cette volonté toujours d'ébranler la personne qui lit et de lui faire poser des questions. Alors moi, après, c'est des choses très personnelles, mais c'est vrai que moi, ça m'a permis de relativiser notamment la Deutsche Bahn, quand je vois les aléas du voyage, par exemple. Bon, au moins, vos affaires ne tomberont pas dans un ruisseau. Oui, c'est ça. Quoique, avec la tempête et vraiment la qualité des trains allemands, je ne sais pas, touchons du bois. Mais donc, il y a ce lien un peu personnel à Montaigne aussi. Vous savez, je ne suis vraiment pas la première à le dire, il y a des gens beaucoup plus prestigieux que moi qui l'ont mentionné, mais il y a ce compagnonnage de Montaigne, vraiment. Quand on lit Montaigne, on a l'impression de le connaître et que c'est un ami, que ce soit Orson Welles, Stefan Zweig, Virginia Woolf, enfin tout le monde l'a dit plus ou moins, et vraiment dans des univers complètement différents. Il y a vraiment cette proximité. Montaigne a quelque chose de très touchant et peut-être là justement de le lire aussi de façon peut-être plus vulnérable, ça renforce encore ce lien. Je dirais que je l'aime encore plus qu'avant, pour parler un peu de façon un peu enfantine. Mais oui, je pense que ça change un petit peu la perception qu'on peut avoir de Montaigne. Et moi, je trouve que c'est plein de leçons, que ce soit les essais ou le journal de voyage. Enfin, parfois, on se pose la question pourquoi lire Montaigne. Je pense qu'il y a énormément de réponses à apporter. Je dirais que la plus... pour aller de la moins importante à la plus importante, on dirait pour briller en société et pour impressionner votre grand-mère et pour faire plaisir à votre prof. Mais au-delà de ça, il y a vraiment des raisons quand même un peu plus profondes. Et je pense, pour en citer une seule, et je pense que c'est aussi un enseignement du journal de voyage, c'est vraiment ce regard porté sur le monde, cette curiosité, cette ouverture vraiment maximale. Je trouve que c'est très sain. On a parlé de la question religieuse, évidemment. En plus, là, à plus forte raison, aujourd'hui, on voit bien les problèmes que ça pose. Et donc vraiment cette ouverture qui va forcément vers une attitude tolérante bien avant Voltaire et de façon peut-être plus cohérente que Voltaire lui-même chez Montaigne. Donc vraiment cette tolérance qui fait beaucoup de bien. Et voilà, Montaigne pourfendeur vraiment des préjugés, je pense que c'est très, très salutaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été beaucoup lu par les libertins du siècle suivant. Donc libertin, pour les personnes qui n'ont pas suivi le cours d'histoire littéraire, on ne parle pas du pourceau d'Épicure qui se vautre dans le stupre comme à partir du XVIIIe siècle et un peu la conception qu'on peut avoir aujourd'hui, libertin sexuel. C'est vraiment celui, le libre penseur qui remet en cause toute une série de préjugés, qui est ce qu'on appelle déniaisé, donc qui a les yeux ouverts sur le monde. Et voilà, alors Montaigne n'est pas libertin, mais on sent bien le potentiel de subversion aussi dans sa pensée et je pense que c'est très sain. Donc soyons un peu libertins et libertines, version XVIIe siècle. Oui, je crois que à notre époque, on en a bien besoin justement. Souvent, on parle mais on ne s'écoute plus, donc c'est aussi important peut-être de justement
faire un bout de chemin avec les personnes à rythme un peu plus lent pour mieux se comprendre. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans nos studios et de nous avoir présenté cet ouvrage, donc le journal de voyage de Montaigne, qui sera disponible à partir du 9 novembre. Et est-ce que vous allez faire des conférences ou est-ce que vous allez en parler Oui, oui, il y aura deux, trois choses qui seront organisées, notamment à la fin du mois à Bordeaux, justement dans la station Ozone de la librairie Mola. Donc je dialoguerai avec Violaine Giacomotto-Chara, qui est la 16e-iste de Bordeaux, donc spécialiste de Montaigne. Et voilà, ce sera diffusé aussi, bien sûr, par la chaîne. Peut-être même en direct, d'ailleurs. Il me semble que... Voilà, c'est Clara, vous êtes mieux renseignée. Oui, c'est bien ça, j'ai mon attaché de presse. Donc voilà, oui, il y aura évidemment deux, trois choses là autour. Je pense qu'on se réjouit de le voir circuler et de pouvoir en parler, ça va être très bien. Donc merci beaucoup à vous trois aussi, j'ai été vraiment très bien accompagnée, donc je suis extrêmement flattée. Je sais que ce n'est pas toujours le cas à Unimix, parfois il y a une ou deux personnes, mais il y en a trois. Oui, on pousse la technique jusqu'au bout. Là, j'espère que ça fonctionnera avec tous les micros. Oh mon Dieu, moi aussi. Excellent. Donc merci beaucoup. Ouais. Merci à vous et puis Mathilde, Clara, merci beaucoup de vous être levée ce matin si tôt, mon Dieu, pour m'accompagner. J'espère qu'on se retrouvera tout bientôt pour d'autres interviews, peut-être. Ça aura suscité des vocations. Et merci beaucoup à vous toutes et tous de nous avoir suivis quelques instants pour parler de Montaigne en cette période de novembre-décembre. J'imagine que ce sera aussi une très belle idée cadeau pour tous les passionnés de littérature. Je vous souhaite en tout cas une toute bonne soirée et à tout bientôt sur Unimix. Ah oui ! Oh là 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 ! Ha 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 ha.